bien cassé. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc là ce sera sur la moisson des blés. Donc il n'y a pas tout à fait 10 hectares à faire. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Salut, prenez soin de vous. Bon, là nous sommes le 27 juillet, on finit les moissons. Là c'est la parcelle qui est la plus éloignée de l'exploitation. Donc du coup j'ai fait l'escorte de la moissonneuse avec la voiture en feu de détresse et avec le gyrophare bien sûr. Et donc là elle ne fait pas tout à fait 2,5 hectares cette parcelle. Donc il a déjà fait 2 tours, donc il y a de la paille, il y a du grain, ça rend bien. On a eu de la chance, on a été épargné par les orages qui sont passés dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a des endroits, malheureusement, c'est Dame Nature qui a moissonné, ils n'ont pas eu de chance. Donc là, on termine. Voilà, le champ est bien un peu grand. Il y a du grain, il y a de la paille. C'est cool. Donc là, on fait notre petite pause. Il n'est pas tout à fait 14h, on va manger. Donc là, du temps qu'on a mangé, mon beau-père a pris le relais pour continuer la moisson. Donc mon beau-père, il connaît la machine par cœur, il l'a conduite plein de fois. C'est lui qui fait réparation, révision, tout ça. Voilà, donc mon beau-père, il nous aide beaucoup, que ce soit au niveau de la réparation, de tout ce qui est matériel, les casses et tout ça, quand on a besoin d'aide sur l'exploitation. Voilà, de ce côté, on ne le remerciera jamais assez pour toute l'aide qu'il nous apporte. Et au niveau des moissons, bien souvent, c'est lui qui conduit la moissonneuse. Donc voilà, là, il finit le champ. En attendant, ben, nous, on est autour, en attendant que la remorque se remplisse. Et puis voilà, il fait une belle journée, il fait 27 degrés, on est bien. Tout se passe bien pour l'instant. Il y a eu une petite casse au niveau d'inflexible. Du coup, ils ont fait la réparation tout à l'heure. Et puis là, ben, c'est reparti. Donc là les moissons se terminent, là c'est les derniers champs, donc là celui-là il n'est pas très grand et après il y en a d'autres à côté avec un de seigle. Et hier du coup, moi je suis partie, ils étaient encore dans le grand champ, après j'ai été leur amener à boire et puis la machine elle a bourré. Donc en fait ça a bourré au niveau de tout ce qui est le batteur et tout ça, donc là on a un peu galéré pour tout sortir. Et après on a recommencé et ça a de nouveau bourré. Donc là on s'est dit il y a quelque chose. Et après mon beau-père en fait il a vu qu'il y avait un écrou qui avait sauté au niveau de ce qui est la courroie du batteur. Donc du coup la courroie s'était détendue. Donc après ils ont retendu la courroie. Et puis après bah, ça a bien marché. Ils ont fait 2 autres champs ensuite qui étaient dans le village en dessous. Mais voilà là ça se termine, ça se passe bien. Pour l'instant il n'y a pas d'autres pannes, il n'y a pas d'autres casses. Et puis voilà, ça rend bien, on en garde un peu pour de la semence. Et après, le reste, c'était tout dans la cellule pour les chèvres. Donc là, la cellule, elle est pleine, il y a le stock qu'il faut. Et niveau paille aussi, on aura tout ce dont on a besoin, donc c'est parfait. Voilà, on continue et puis je pense qu'on finira aujourd'hui. Enfin, qu'ils vont finir aujourd'hui. Nous sommes le samedi 29 juillet, donc là la moisson est terminée, on bottelle, là on en fait en botte-ronde parce que tout simplement la presse de la Cuma n'est pas disponible, il y en a certains qui la voulaient, entre temps il y a eu de la casse au niveau du pick-up, donc il y a de la réparation à faire, donc du coup elle est disponible qu'à partir de 18h apparemment, donc du coup là on en fait en botte-ronde avec notre roundballeur, et puis voilà. Donc la moisson s'est terminée hier soir,
En fait, mon beau-père a pris le relais pour continuer à moissonner le thym qu'on avait mangé hier. Et donc, il a fait le seigle. Et on lui avait dit, mais là, il y a eu une incompréhension, en fait, on s'est mal compris. On lui avait dit, on te ramènera la petite remorque pour bénir le seigle. Et du coup, on avait laissé l'autre remorque avec le New Land, là où il y avait du blé. Et du coup, il a fait l'erreur de vider le seigle dans le blé. Donc du coup, il a fallu qu'on récupère le seigle tant bien que mal avec des seaux. Voilà, on a transvasé dans l'autre remorque. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Il y avait juste un fond de blé dans la remorque et il l'a pas vu. Donc là, j'essaie de faire les bottes. Pour l'instant, ça se passe bien. Mon chéri a été mangé, voilà, du coup, je le remplace. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, il a fallu reprendre en main le roue-emballeur parce que j'avais juste fait un peu de foin avec. Mais là, c'est bon, c'est reparti. Faut le temps de se mettre dans le bain, comme on dit. Après, une fois qu'on y est, c'est bon. Donc du coup, il a attaqué de botteler ce matin. Ce matin, il y avait des orages qui tournaient autour. Bon, c'était loin. Mais on s'est dit, on va éviter de faire mouiller la paille, donc on va faire un botteron, on ne va pas attendre qu'il y ait la presse carrée de disponible. Et au final, la pluie était loin. La pluie était loin et ça ne sera pas pour chez nous encore. Ça ne sera pas pour chez nous, c'est bien dommage parce que là, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. On a juste eu 1 litre d'eau la dernière fois que les orages étaient pas très loin. Mais là, c'est vraiment en train de sécher, de griller. Il serait vraiment temps qu'on ait de la pluie. Parce que là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Passé un temps, on avait de l'herbe jusqu'aux oreilles, mais là, c'est plus le cas là. Bon, aujourd'hui, on est le dimanche 30 juillet. Donc, hier, on a pu finir ce champ en botteronde. On en a quelques-unes qui ont éclaté au niveau du filet. Et je pense que ça venait du fait qu'il faisait trop chaud aux alentours des 16h, 17h. Nous, on ne se rendait pas compte dans la cabine, mais dès qu'on descendait pour aller défaire les bottes et les refaire, on se rendait bien compte qu'il faisait chaud. Donc, on pense que la paille était trop chaude parce qu'après, les orages, ils sont arrivés. Et du coup, nous on a pris un petit millimètre. Voilà, les orages sont passés autour de nous. Nous on était au milieu et on n'a rien eu. Mais on n'a pas pu finir de botteler avec la presse de la Cuma parce qu'au tableau, sur l'écran, ça affichait 30% d'humidité et ça fait beaucoup trop. Donc du coup, on a arrêté. Et après, il y a les un petit millimètre qui sont tombés. Donc là, cet après-midi, on va essayer de reprendre en milieu ou fin d'après-midi. On verra ce que ça donne. Donc là, je viens voir la paille, ce que ça donne. Donc là-bas, il y a une botte et l'autre, elle est là-bas au fond. Il a juste fait un tour et puis après, il a arrêté parce que du coup, il a fait les 1 petit millimètre. Donc ça va, ça a bien séché quand même. Bon, après, c'est pas ce qu'il a fait, hein, mais bon, ça suffit pour que ce soit humide. Mais ça va, c'est bien. Donc là, on est dans le seigle. Donc là, c'était très haut. Je vous montre juste. Un pied que j'ai réussi à trouver entièrement. Donc ils sont vraiment grands. Il y a vraiment de la paille. Et puis pour maçonner, ils ont un peu galéré parce que du coup ça s'enroulait autour de ça de la machine. Et du coup ils ont mis pas mal de temps. En plus ça s'était versé là, tout ce niveau c'était tout versé. Donc ils ont mis pas mal de temps pour le moissonner. Et quand c'est haut, et ben c'est un peu la galère. Donc voilà. Mais là la paille elle a bien séché. Ça va bien. Ça devrait le faire. Normalement ça devrait être bon.